Donc voilà, du coup, dernière partie de la... du marathon de streaming. On a commencé aux aurores, rappelez-vous. Et nous voilà, donc il est que minuit 30, c'est juste, je suis sidé. Enfin, j'ai l'impression qu'il est plus tard, parce que je suis tellement fatigué. On a déjà fait un stream de 6 heures, hein, là, ce que tu... là, on vient de couper de relancer, mais tout à l'heure, ça affichait 6 heures de live. Hein. 6 heures, ouais, mais 6 heures. Quand on a repris. Quand on a repris, ouais, c'est ça. Donc on va faire une petite race Spelunky. Alors je viens de recevoir un texto de Vinkaiser qui, du coup, a très envie de participer à la race. Donc, pas de soucis, Vink. On t'attend. Ainsi que les autres qui voudraient participer. Allez, je suis sympathique. Je vais faire préparer une race. Alors, il y a déjà eu une race en début de soirée, mais bon, il y a des races tout le temps. New race. Je pense que personne n'a créé de race. Alors, new race. Ah, je suis mais fatigué. Je vais peut-être faire un PB tellement je suis fatigué. Sur Spelunky, tout est jouable, même quand on est fatigué. Ah, Shargate arrive, vu qu'il y a une race. Voilà. C'est parti. Alors, la vraie question qui nous brûle les lèvres, c'est... Moi, il faut que je fasse un PB de combien pour remonter dans le classement? Je suis à 40 minutes. Alors, on va aller voir Spelunky. Oh, je suis claqué, mon Dieu. Et je vais m'empresser déjà d'interviewer. J'ai la chance d'avoir Cladall avec moi, donc... Quelques questions concernant Spelunky, donc c'est que, est-ce que c'est difficile de jouer fatigué quand on est fatigué à certains jeux, et Spelunky en particulier, comment gérer la fatigue? Alors, la gérer, ça va être dur, surtout sur Spelunky, parce que le jeu est tellement décide tellement de ce qui va nous tomber sur la gueule qu'on est très vite irritable. Alors, en plus, si on a de la fatigue, on est encore plus irritable. Et à partir de ce moment-là, il faut arriver à rester à garder son calme. Ce qui est très très dur. Mais on va essayer. Ouais, ça vache. Alors, qui fait la race avec nous? Oh là, il y a Bro, il y a Shargate. Waouh. Maîtrise la fatigue. Allez, Devil Tifa, viens. Qu'est-ce qu'il fait encore, Tifa? Il disait qu'il était fatigué. Il était fatigué, mais le voilà. Il était fatigué, voilà. Maîtrise la fatigue. Bah, vu que tu as l'air d'être un maître en la fatigue, bah, rejoins-nous. Tifa, sur Spelunky, rejoins-nous. Franchement, c'est l'histoire de 20 minutes. Ouais, t'as même le temps d'aller manger encore, Tifa. Tu peux encore aller te refaire des pâtes, je pense. Ah, Saturnin et Sharp. Surtout que tu n'es que quatrième, hein. Tu imagines, hein, si on fait le pain le... Ah, rappelle-toi, il y a quelques heures, on t'a dit viens sur Doom, tu disais non, je suis fatigué. Après, ah, finalement, vous avez bien fait de me forcer, j'ai fait un pibi. Mais là, c'est pareil sur Spelunky, allez, viens. Non, pas si Ria, je serais content pour lui, mais ça me ferait rire. Oui. Allez, viens, Tifa, on est bien. Après, c'est le dernier jeu de la journée, après, je pense. Après, là, c'est bon. Spelunky, c'est assez fatigant, déjà. Ou alors, on refait un peu de grind sur DuckTales. Si tu le fais, si tu veux, moi, ça m'a suffi. Voilà, jouer. Ah, je suis triste, j'ai pas mon petit bandicoot, là, par contre. Désolé pour le stream. Voilà, c'est parti. Enfin, c'est parti, je veux dire, on est 30 secondes, mais... Alors, Tifa... Tifa arrive bien. Il a du mal à résister à une petite race, Tifa. Ah, Tifa, ouais, dès qu'on lui propose, il a du mal à résister. Quand est-ce qu'il dort? Parce que Tifa, je le vois quasiment tout le temps sur le stream. Moi, quand je stream, il est, mais alors tout le temps là, peu importe l'heure. Alors, moi. C'est à croire qu'il a un téléphone et il est. Et genre, il peut se réveiller, genre par exemple. Ah, il y a une race. Il y a une race ID2. L'application ultime Décathlon pour l'UD3. Oui. Qui vous prévient dès qu'une race est lancée. Alors, on rappelle, hein, pour l'inscription, alors le Décathlon 3, c'est toujours gratuit, convivial. Mais par contre. On vous demande en fait tout un tas de données, dont votre numéro de téléphone, pour qu'on puisse envoyer des textos sur des promotions de jeux ainsi que des trucs horribles. Ah, Devil Tifa, join la race. Une race. Cette drogue. Oui, mais Devil Tifa, je connais à peu près ses horaires où il se couche et où il se lève, parce qu'on a à peu près les mêmes horaires. Les mêmes horaires. Ah non, mais l'espace d'un instant, j'ai cru qu'il résistait pas parce que ça lui permettait de jouer avec ses amis. Non, c'est juste les jeux vidéo, donc ouais, c'est bon. Ça, c'est sa drogue. L'espace d'un instant, j'ai vraiment cru que c'était la convivialité de la race avec les autres. Ouais, c'est la notif follower, en fait. Bah, étonnamment, même on peut d'ailleurs... Non, mais je pense qu'une horaire de Devil Tifa, en général, en semaine, c'est 3h-4h du matin et à peu près levé 13h. C'est à peu près dans ces eaux-là. Ah, tiens, on va se mettre là, parce que j'en ai, on peut... S'il y a très peu de gens, on va se mettre tranquillement. Il est où, Iso? Putain, je t'ai Iso, il est premier, ouais. Alors, ils sont. Je suis en réunion admin. Ah, mais ils sont encore sur le Mumble depuis tout à l'heure. Non, mais c'est une
blague, ils y sont tous. Oui. Alors on va se foutre en au moins en race Spelunky à saleté. Kefka. N'oubliez pas, il y a le point d'exclamation barbe sur le chat. Voilà. On nous entend tous les deux du coup, ou il y a que ton micro qui capte. Ah non, les deux. Ok, ça marche. Ce sera marqué CDV. On pourra m'inviter tout ce que tu pourrais dire. Voilà, donc s'il y a des gens qui arrivent, ils nous rejoindront sur le Mumble puisqu'on l'a lancé. S'il y a des gens qui font la race Spelunky. Et ce que je voulais dire surtout, ce qui est très très important, jetons un petit œil. Après, on mettra la musique du jeu. Ça va pas switch. Parce que j'ai tellement des milliers de fenêtres que des fois le... Alors voilà, Spelunky. Alors moi, je suis à 40 minutes, mais regardons un petit peu ce qu'il faut que je fasse pour gagner. Oh mon dieu, mais il y a du niveau. Donc moi, je suis 44ème. Je suis entre les deux là. Je suis entre Discord et Polo da Janeiro. Tu es top 50. Top 50, non mais j'ai l'impression que ça veut rien dire, mais en fait, le niveau est très élevé. Et pour être top 40, faut que je fasse 37-54, largement faisable. Et top 30-32, ça commence à être. Il y a tellement un fossé, il y a aucun 34 minutes là dans le classement entre la 34ème et la 35ème place. Ah, et voilà Millet. Ah, et voilà Millet qui arrive sur le chat, mais j'ai l'impression que quelqu'un arrive. Et j'ai tellement de fenêtres d'ouvert, j'arrive même pas à monter. Ah, flûte. Si, c'est Tifa. Tifa et Bro sont arrivés. Ça va bien. Un peu fatigué quand même, hein, mais tiens le coup. Bonsoir, bro, bonsoir. Il y a longtemps que j'ai pas réussi avec toi, bro. C'est vrai. J'ai progressé depuis la dernière fois, Spelunky. Je sais pas si je vais être éblouissant, mais en tout cas, j'ai largement progressé. Je n'en dirai pas plus. Coucou, la race est démarrée ou pas? Non. Non. Ah, cool. C'est Brainstorm, du coup. On dit voilà. Bonjour, Brainstorm. Bonjour. Oui. Bonjour à tous. Il y a du monde, mais peu importe. Là, une petite race Spelunky, les gens ne résistent pas. Alors, qui était couché et s'est levé spécialement pour la race à partie fin? Je vais continuer sur Ninja Gaiden 2, mais... Ah, il y a Millet qui devrait nous rejoindre, il a son... Faut que j'installe... Millet, il a un nouveau PC, donc il a rien installé, il est en train d'installer Mumble. On va l'attendre un petit peu. Mais... Ouais, moi, mon objectif, c'est de faire sub 40, voire sub 35, aujourd'hui. Enfin, maintenant. Enfin, ce soir, quoi. Ce serait pas mal. Ah, ce serait pété. Ah, ce serait cool. Et prendre la clé. Juste rendre la clé. Mais du coup, bro est où dans le classement, là, surtout? Ah, bon, on va regarder les gens qui sont avec nous, on va regarder le classement, quand même. Alors, avec nous, Devil Tifa, 22 minutes 19. Ouais. Toujours pas le sub 20, c'est dommage. Pas de sub 20, surtout, il est presque plus top 4. Hein. Si on devait faire du Spelunky, peut-être il ne serait même plus streamé. Armanti, c'est pas loin derrière, hein, en plus. Hein. C'est clair. Attention à Armanti, Tifa, il arrive. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai doublé, je suis juste repassé devant. Alors ensuite on a mais bro, oh là, il est plus dans le top 10. Ah, il est éjecté du top 10. Ah, mais il est top 11, donc ça va. Il est top 11, 25-29, c'est pas mal. Mon PV il date de décembre aussi. Ah voilà, donc il y a quasiment 2 mois. Ah, tu sais, le mien aussi, qui est de 26-23, il date de ces eaux là hein. J'ai jamais réussi à avoir mieux depuis. Ouais, mais traduction, ouais. Tu peux largement faire mieux quand même. Ouais, mais on peut tous largement faire mieux. Ouais, t'as tapé, c'est clair. Mais tu peux largement faire mieux, ça c'est clair. Alors ensuite, non, Brainstorm, je l'ai pas raté. Non, je suis très très en bas, moi. Brainstorm, où est Brainstorm? Je ne le trouve pas. Ou alors il est très 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 en bas. Faut descendre. Chuchote-moi ton score, Je suis à 33 minutes 48, donc normalement. Ah. Ah ouais, mais c'est tu l'as sorti il y a pas longtemps alors. Ah, c'était. Ah oui, à l'époque. Il y a pas longtemps, j'avais un 38 avant. Oui, 38-22 le week-end dernier. Ok, tu viens de sortir. Ah oui, j'ai sorti cette semaine. Ouais, voilà. Okay. Ah, donc t'es à 33 maintenant, ce qui est pas mal, ce qui te met dans le top 40, quoi. Ensuite, on a Chargate. La complétion. T'as rendu la clé en gros, c'est ça? Cette semaine, j'ai fait les 3 cordes. D'accord, ok, bah ça progresse. C'est. Ah, il y a Winkaiser qui dit il est plus top 11, il a fait 25-21 hier. Ah non. On rappelle Winkaiser, le top 11, c'est, il aura une petite médaille spécialement. L'idée c'est d'être 11ème sur chaque jeu, ce qui est très difficile. C'est vraiment très technique. Hein, c'est vraiment bravo Winkaiser. Et Winkaiser, il va peut-être nous rejoindre. Alors qui? Ah non, Brainstorm nous a pas. Si, c'est bon, je suis là. Et... Si je regarde. Si, ça y est, ok. Il y a Millet qui arrive. Bon, bah, on a. Que je lance.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a Millet, qu'il faut qu'il installe encore des choses. Ouais, il va faire vite. Millet. Ah, c'est un grand speedrunner, hein. J'espère qu'il est rapide en installation de Mumble. Il a un nouveau PC, alors on va... Moment interview en attendant Millet, pensez-vous que maintenant qu'il a un nouveau PC, or si on met de côté les problèmes éventuels de manette, parce qu'il a pas voulu acheter une manette avec son PC, ça se discute, mais est-ce que vous pensez que ses performances vont être encore plus grandes en tournoi? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et deuxième question, Tifa, est-ce que t'as peur maintenant? Ouais, comme d'hab, bah, sur les jeux déjà peur avant, il continue. Bah maintenant t'as plus l'excuse du PC à Millet qui plante hein, pour te rattraper. Sur les jeux gourmands je pense qu'il peut faire encore mieux du coup. Ouais, Dead Core il va peut-être faire genre un 15-45, un truc comme ça. Bon, il y a plus trop de points à gratter ceci dit, mais... je vois pas où en fait... est-ce que vous pensez, on en discutait avec Cladall aussi, parce que là vous êtes quasiment à 1030 Tifa et Millet, est-ce que vous pensez que c'est possible d'atteindre les 1050? 2000. 2050 pardon. Ah, vous vous rappelez dangereusement du 2040 déjà, donc... Ah, c'est pas un 8 francs en tout cas, c'est... Déjà Portal 190, c'est faisable. Et t'es à combien à l'heure actuelle? 187. Donc 3 points. 3 points. Donc 3 déjà, points. Tu fais les 2040, je crois. Non, il est à 30-29, je crois. On va il a déjà... Déjà on rajoute 2 points à 1000, ça fait 2038. On va regarder ça. Il est à combien? Il fait à l'heure actuelle, il est à 2029. 2009. Ah, c'est Millet qui a dépassé. Je suis sûr que le stop 4 sur Towerfall il est faisable. Ouais, et puis Portal, il y a encore du temps à gratter un petit peu. Mm. Ouais, mais ça vous fait que 2 points max sur Towerfall. Allo ouais, c'est... Allo Allo Millet. Tu es là? On a Millet. Nickel. 2050, j'y crois pas trop. Voilà. 2040, c'était très rapide. C'est faisable, mais 2050, non. 2050, si c'est facile. Non, alors mais. On pourrait atteindre 200 sur Metroid Zero Mission ou NG2 en fait. Non, non. Ah, mais c'est pas possible. Ouais. Alors toi. Ah, si, c'est pas possible sur NG2 en fait. Attends, pour toi, Mila, du coup, les 2050, tu penses les atteindre du coup d'ici la fin? Non, je pense pas que ce sera assez motivé. Mais c'est possible sinon. Ah, mais c'est possible, ok, d'accord. Mais qui dans ce cas-là, oui, c'est possible? Bah, faudrait que je fasse du NG2. Ah, oui, NG2, ouais. C'est vrai que passer de 11 minutes 30 en PB à une complétion, ça fait un peu mal, je trouve, sur NG2. mais c'est... On va pas parler de ça. Hein. oui, non, mais t'inquiète, je sais ce que c'est. Je te soutiens dans cette cause contre NG2. Alors, d'après hein, les gens du chat, c'est Cladall qui me force à jouer. Bah oui, là, je streamerai plus, je serai déjà dans mon lit en train de regarder des films. Ouais, il faut savoir qu'il n'est pas nourri d'ailleurs. Hein. Là, tant qu'il ne sort pas un sub 40 sur Spelunky, il ne mangera pas. Bah, moi, je suis plutôt confiant. Ah, donc. Alors Millet, tu nous as pas rejoint sur SRL encore? Ouais, je suis en train de préparer mes splits. Désolé. Ouais, y'a pas de mal. Je vais aller très vite. Ouais, y'a pas de mal. Du coup, y aura une race de haut niveau. Plus y'a de joueurs, plus j'ai de chance de ne pas être dernier. Du gros haut niveau, je sais. On n'a pas choisi les meilleurs joueurs quand même. Parce que c'est le lieu du classement là. Non, mais. En tout cas, moi, c'est un de mes jeux préférés du jeu. Même si je suis pas un grand joueur de Spelunky, j'adore trop ce jeu. Moi, je suis trop content de jouer. Bon, je rage aussi, mais. Mais j'ai pas envie d'être content du jeu, mais une fois que t'y es, non. Non, moi je suis content, mais j'ai toujours l'impression que ça va mieux se passer. Tu sais, tu te lèves le matin, c'est du genre ouais. Ah, aujourd'hui ça va bien se passer, et puis allez, t'arrives des trucs horribles. Faut tenter aujourd'hui. Spelunky, quand tu le lances, tu sais jamais si tu vas réussir ou pas, mais du coup, il y a un pourcentage de chance que tu fasses un truc bien. Tu t'es su. Ouais. Bah, je pense que ce qui remonte le moral à Spelunky, c'est qu'on peut faire des gold splits quoi. Même si. Qui ne veulent rien dire au final. Ah, non. Ouais, c'est ça, ils veulent rien dire. Un petit problème de Alors... je reviens. Ok, pas de soucis. De toute façon, moi j'ai pas fait Redido pour l'instant. Non. Premier run de Spelunky sur cet ordi, j'espère que ça va apporter la bonne range. Est-ce que le PB va tomber? Alors par contre. Ouais, il me demande la langue. Ouais, il me demande la langue. ta manette elle était défectueuse aussi avant, c'était lié à ton PC ou à ta manette? Non, c'est ma manette, je pense. D'accord, ok. Bah, c'est pas grave, elle devrait. Ouais, parce que. C'est si vraiment t'as un souci, hein, je vais t'envoyer une manette par la poste, hein, on va faire une mission sauver Millet. En ce moment, il faut que j'achète une manette, une souris et un clavier. D'accord. Donc ça... C'est bien. C'est plein de trucs. Mais c'est totalement... La souris, le clavier, c'est pas du tout pour la lutte, hein, c'est pour autre chose. D'accord. Erreur. Spelunky vient de me faire une fatale erreur. Oh merde. Merde.
Tiens, tant que j'ai des joueurs comme Milay dans le coin, est-ce que vous utilisez l'auto-splitter pour Portal? Non. 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 Bon, vous devez pas avoir votre game. J'aime pas du tout l'auto-splitter, pour rien du tout. D'accord. Ok. Gonzo l'utilise, l'auto-splitter sur Portal. C'est la seule personne que j'ai vu pour l'instant l'utiliser. D'accord. J'étais curieux de savoir du coup comment, à quel point les différences étaient grandes selon les temps de chargement entre le temps in-game et le temps. Suffit de voir sur speedrun.com, hein, tu sais, c'est le with load et without load. Ouais, c'est ça, t'as les deux temps qui sont affichés. D'ailleurs, ça donne un ordre d'idée, mais après, ça va dépendre des PC aussi. Ouais, mais je dois juste comparer mes temps de chargement à ceux des autres parce que j'ai l'impression que les miens sont vachement longs en fait. On fait plusieurs runs d'affilée. Faut que tu comptes tes quick load aussi, l'auto-splitter il les arrête. Oui, c'est vrai. Donc en fait, tu peux vraiment pas te faire d'idée vraiment fixe quoi sur les temps. Ouais, forcément. Hop là. J'ai presque fini. Ok. Oui, je speedrun les gâteaux aussi. Alors, Vinkaiser, veux-tu nous rejoindre? Il a dit qu'il était dans son lit, malheureusement. Bah, tu peux jouer à Spelunky dans ton lit, techniquement. Ah, mais je pense qu'il a envie de dormir sur tout. Mais c'est portable. Il est pas vraiment... Il est pas parti pour s'endormir, il est encore sur un stream, ne serait-ce que ça. Faut speedrun le dodo. Ah oui, c'est pas con. Parce que moi j'aime bien les gens qui disent je vais dormir et 3 heures après ils sont encore là en train de faire coucou, ça joue. Hein, Tifa? J'ai jamais dit que j'allais dormir. Ah bon? Ah non, c'était Twin Year ça, pardon. Ah non, mais il y en a plein, mais c'est rigolo même. Twin dit je vais dormir et 40 minutes plus tard on le revoit, il dit ah mais t'as pas fait ça dans le run. Ouais, mais. Il s'endort devant les streams le lendemain. Oui, matin, ouais, c'est ça. Oui, mais, ça, mais c'est possible en fait, parce qu'il y a un côté, des fois t'as, effectivement tu peux mettre ça en fond, ça dépend après l'ambiance de chaque stream, mais des fois ça... Moi je sais que je peux mettre des fois des vidéos, pas les streams j'arrive pas à m'endormir devant, mais des VOD largement quoi. Alors, on attend... Je suis arrivé... Ok. Hop. Voilà, ok, nickel. C'est parti, on va être comme ça. Tic tic tic. Ah, c'est pas le bon, je fais juste ça. Alors. Ok, comme ça. Non, j'ai pas mon Mexique. Je suis ready. Ok. Eh ben, les gens. Je me mets ready aussi. Hop. C'est bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ouais. Okay, bonne chance à tous alors. Bonne chance. Bonne chance. Ok. Go. Bonne chance. Ba-da-da, ba-da-da-da. Da-da-da-da. Allez. Pas mourir au tuto, c'est important. Alors Milay, est-ce que tu veux que je chante? Je m'en fous. Tant que c'est pas deadcore, ça va. Sérieusement, clic clic, c'est bon. On a des vrais runners, ils font pas semblant. Ils sont venus pour gagner. Même à 2h du matin, ils sont là pour gagner. Mais l'étoile en jeu. Ouais. C'est l'étoile nocturne. Tu sais, c'est une étoile qui ressemble à la nuit en fait. Non, but c'est de faire des goals. Mais si, le chamoun, je fais la race. Mais je suis en train de streamer du coup sur ma chaîne. Mais je suis pas dans la race parce que. Parce que voilà, je prends pas mes mots de passe avec moi. Identifié. Pour une raison obscure, j'ai des sortes de lag. C'est peut-être la résolution. Mumble m'a fait ça, moi, des fois. C'est juste à cause de Mumble, c'est chiant. Ouais, mais c'était pas encore arrivé, quoi. Ah, j'espère, genre. Ah, j'ai le layout. Et voilà, tu vois, y'a quelqu'un qui se connecte sur le. Bonjour Crève. Ça fait ramer le jeu. Moi j'ai la petite voix qui me parle à chaque fois que quelqu'un rentre et elle a dit Crève, donc c'est assez magnifique. T'as besoin de Fox. Ah, c'est une question, alors. Qu'est-ce qui favorise le sommeil dans une VOD qu'un stream ne permet pas? Ça, je ne sais pas. Ça me donne pas envie d'interagir une VOD, donc. C'est ça, je trouve que c'est interactif. Vu que tu sais que c'est une VOD, tu sais quand c'est en live, tu peux dire ah c'est mauvais, moi j'aurais fait mieux, ah là là. Allez, c'est parti. Bonjour madame. Bonjour.
Allez, c'est parti. J'espère vraiment que c'était, je vais c'était au un moins... téléphone, j'espère. Mon but, c'est pas de gagner la race, parce qu'il faut que je sois réaliste, mais par contre, je peux largement faire quelques splits, finir quelques trucs avant vous. Alors, donc ton premier objectif, c'était ne pas finir dernier. Non, mais déjà, par exemple, quand je vais finir les bombes, déjà, si je finis devant quelques-uns d'entre vous, je suis déjà content. Il faut des objectifs réalistes. Ah, pas de chance. Alors, comme ça, vous entendez des petites voix quand j'arrive. Ouais. Oui. C'est parce qu'on aime ta voix, Gratox. Ouais, je sais. Comment ça va, Edal ? Pour le début de la race. Aïe ! Oh, le hard trap. Il était rigolo celui-là. Moi aussi. Le retrap qui m'a envoyé directement dans les pics, c'était ça. Ah, moi il m'a envoyé dans une toile d'araignée qui... et une araignée a décidé, tiens, si j'allais lui sauter sur la gueule. Ah, c'est pas mal aussi. Bah, arrête, si quelqu'un forfaite la race, il n'est plus considéré comme étant dans la race, donc il y a toujours un dernier. C'est vrai. Façon de voir la chose. Ok, j'ai fini les bombes. Ok, World Record Strat. GG. Alors si t'as fini les bombes, franchement t'es trop fort. Pour finir les bombes aussi, j'ai fini la bombe aussi, ouais. Double VR incoming. Putain, mais pourquoi je me bats pas contre mes splits? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien... Oh, j'ai eu un souci de chargement de split. N'oublie pas, quand tu changes les scènes, du coup t'as des numpads qui sont associés aussi au changement des splits. Oui, parce que là t'es en train de comparer tes temps avec ceux des Ultifa, c'est pour ça qu'il y a rien. Ouais. Current pace des Ultifa, donc ouais. Donc des Ultifa a rendu les bombes à 3-11. Non. Alors tu les as pas rendus encore. Putain, gueule. Bon, moi j'ai des rangs avec une minute de retard. Putain, mon rack quoi, mais quelle injustice ce jeu. Mais non. Mais ce jeu est juste. Juste. Oui. Oh là, c'est très dangereux ça, j'ai failli faire une bêtise. Ah oui, plein de pics, de la TNT, c'est bien ça. Oh, GG, c'est la mer noire. C'est la mer noire. Je suis désolé. Cordon du 20 sur Portal alors. Peut-être 40 secondes de gagner là. Un plaisir. What? Ah, c'est les 10 000, faut pas oublier. J'ai déjà au 10. Oui. Mes premiers splits sont toujours vachement bons, moi. Mais c'est après que je fais rien. Pourtant, c'est les mines que tu détestes le plus. Oui, mais c'est parce que c'est ce que j'ai fait le plus. C'est juste que je déteste les mines. Ouais, c'est ce que je déteste les mines, parce que je les ai beaucoup fait. J'ai beaucoup try hard le début. Ah, d'accord. Je travaille de manière linéaire, Spelunky. Donc je suis pas allé souvent au bout. J'ai pas fini beaucoup de runs. Bah bro, il n'aime pas le jeu complet quand il a la clé. J'ai dit récemment que je préférais le jeu quand j'y jouais moins. Ah, c'est ça se défend. Et du coup quand je dois y jouer, bah ça va. Ah je bon, blaser quand même. Bah tu joues qu'en tournoi quoi au final. Oui, c'est ça. C'est la vraie strat. Numéro 1-4, sérieusement. Aerotrap. Non, putain. Par là. Pas si cool. Ouais. Si on pouvait se calmer avec les plantes, s'il vous plaît. Ok, les 10 000. Non. Ah non. Génial. Mais c'est quoi cette injustice? Je crois que Mille est mort. Désolé. Mais t'es sérieux? Non mais c'est une grosse blague ce jeu. Putain mais je saute, forcément je tombe pixel, il y a des pics. Mais non. Visiblement ton nouveau PC n'est pas vraiment. Ah. C'est pas la bonne erreur. Finalement c'était peut-être pas le PC, d'accord. C'était pas chiant. Je rends les 10 000. Ah oui, encore une fois. C'est pas possible. Oh, mais j'en ai marre déjà. Miller rend l'âme. Ah bon, ça se rend ça dans le jeu? Non, tant que je rends pas la clé. Tant que je rends la clé, je tiens. Pourquoi y'a un marchand qui s'est vénère tout seul encore? Ah, pas de chance. Ah, par contre, ouais, j'ai pris un gros risque, j'ai fait.
Ah, j'ai pris un gros risque en faisant ça. Pour quelqu'un de mon niveau, c'est un gros risque. De faire la double livraison. Ah ouais, moi je fais pas, je reset. Mais là, je l'ai fait pour faire le malin, pour... Mais... C'est très très dangereux vu mon niveau. Super, je rends ma corde. Agression de la grenouille dès l'entrée du 2-3. Tout va bien. Mais la grenouille, casse-toi. La grenouille, c'est un escargot. Bah en soi, t'avais trois à l'entrée, t'avais tout ton stuff, donc... Non mais c'est pas possible, arrêtez. T'as bien fait. Arrêtez-vous, monsieur. Arrêtez de me balancer dans les lits, sérieusement, là, c'est plus drôle, là. Ah, ok, ça c'est fait. Hop là. Allez, je passe devant CDV, j'arrive au 2-4. Ah là là. Ah, t'es aussi aux deux bombes ? Ouais. Bien. Ah, attends de tourner la tête. Putain, mais pourquoi... Bon, par contre, je fais des dégâts un peu n'importe quoi. NON ! C'est dégueulasse, ça ! Je suis d'accord, c'est guerre de main. Non, mais on te regarde pas, Millet. Si. Ah, c'est dégueulasse ! Ouais, Del, j'ai quelques projets pour Aston Fest, hein. Déjà. Ouais, je rends les deux bombes, ok. Quoi déjà? Bah c'est Tifa hein, qui suis. Putain, okay. Même quand je fais des gold split, je suis derrière. C'est dégueulasse. Ouais mais j'ai une mort. Il a le vent dans le dos, Tifa. Mais... Ouais mais j'ai une mort. Quoi. Non encore des pics au dessus. Non mais marche, fais n'importe quoi. Il s'auto-censure. Bip bip. Allez, Vincent. Est-ce que tu regrettes d'être venu, Millet? Hein? Est-ce que tu regrettes d'être venu? Non. Jamais. Jamais. Quand j'appuie sur la touche A, quand j'appuie sur la touche A de ma tête, elle reste enfoncée. J'arrive. Ah, quoi, j'arrive pas, c'est arrivé. Je viens, je bloque votre Spelunky, monsieur. Très bien. Non, oui. Alors, je sens que la jungle ce soir, ça va être le... Ça va être une... Ah, vous avez déjà la jungle, quoi. Ah, mais j'ai même pas le bon layout, putain. Non, le jeu. Y'a pas de bon layout dans Spelunky, tu devrais le savoir. Là, je suis David Faye. Oh la blague, putain de monstre pourri, quoi. Ah, c'est bien. Je vais chercher une meuf, et puis ça me. Ça avec me. Une axe... Non, sérieux? J'ai pris un ordi portable gamer d'MC. Chez MC. C'est bon, les deux cordes c'est fait. C'est pas mal. Putain, il est en zone. I5 GT 960. Ah, c'est maintenant qu'on rigole avec le shotgun. Ouais, en gros. Oh non, ça, mais le G4. Deux fois les nords de. Oh la justice! Ah, je vais avoir encore. Bienvenue dans Spelunky. Ah ouais, alors là c'est. De l'injustice dans Spelunky. Quoi? Quoi? Blablabla. Ça fait deux fois que je me roule un 4 pour les 10 000. J'ai enfin fini les 10 000. Ouais. Je rappelle que selon Cladall, c'est mon jeu préféré, je m'y connais quoi. Ah bah oui, tu t'y connais hein, en Spelunky. Ah ouais, je m'y connais. Ah putain, c'était long. Et putain, trois fois d'affilée les morceaux en pot. Ah. Pour le shotgun. T'es sérieux hein? T'as rendu le shotgun, ça y est? Ouais, j'ai rendu les deux corps. Mais limite, t'es en PB pace, rassure-moi. Non, j'ai limite même toi. Pas. Ah non, mais il faut que... Ah merde, je suis mort. Bon, c'est pas grave. Il y en a moins de 10 minutes, sinon c'est pas bien. Ah, mort sans repos pour le shotgun, je dis oui. Mon shotgun est sub 10. Non, sub 9 sur le... Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Sub 9, quoi. Ok. Sinon, sub 10. Non, sub 9. C'est pas possible. Oui, la tombe de H. Bah, faut juste avoir des layouts de folie quand même. Oui. En gros, ouais, il est qu'une fois. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, chaque niveau. On attend le shotgun. Oh, toc. Putain, je sais pas trop la tombe de H, quoi, sérieusement. Putain, je peux pas, la jungle ce soir, c'est chaud. Ah, la tombe de H est là. Putain, mais elle était tellement dégueulasse, la tombe de H là. Non, en fait. Putain. Ah, évidemment, je m'emballe pour mon bloc, quoi. Putain. Marche. What? Ça, pour une fois que c'est Tifa, moi, arrête s'il te plaît. Je m'installe. Wow.
Le nombre de runs où je t'entends dire que t'as le jetpack. Ah mais il est parti où le fusil? Regarde s'il est pas derrière le comptoir. Mais sérieusement. C'est un jumeau. Sérieux? C'est ça, je me promets. Ah non, c'est Brainstorm. Ou alors il s'est envolé plus loin que là où t'es. Ah putain, mais. Ah, mais j'ai rarement eu des mines aussi injustes. Mais il est où le putain de shotgun? Il est pas sous son cadavre. Tu l'as poussé son cadavre? Ouais. Caché sur un arbre aussi, c'est possible. Ah, dans le feuillage. Ah, t'as raison, putain, il était dans le feuillage d'un arbre, c'est vil ça. Ah j'avoue, là c'était très sale. Moi je vais rendre le shotgun, allez, on y croit. Putain, en plus c'est impossible de le voir dans le feuillage quoi. Oh oui. J'ai perdu un peu de temps, pas eu le réflexe. En worst time pace. Classique. Non. Allez, shotgun a rendu, ça on n'en parle plus. Le shotgun il a fait je suis une fougère. Exactement. Ah, le poil mouillé. Non, on va reset. Ah, je sens que je peux mourir sur un truc comme ça. Attends, vous êtes déjà au poil mouillé. Non ! Mais je te débarque ! Moi je m'engueulise encore sur Azirin pour changer. T'as mis les pics quoi, je suis mort que par des pics. C'est vrai que t'aimes bien les pics, Millet, hein, je trouve. Non, j'ai faut que j'arrête de jouer au fan, je le sens de là que j'ai encore me prendre un arrow trap juste avant la sortie du 1-4. Wow, j'ai oublié qu'il y avait le chasseur, putain. Ah mais t'es passé à travers les pics quoi, mais... C'est oh putain. C'est injustice de layout. L'injustice de Spelunky. Le chasseur. Ah ouais, les pics... ils sont violents, ce sont les pics. Les pics sont sans repos. Obligé de... Ouais, c'est ça. Oups, il fallait pas poser une bombe. J'ai oublié que j'avais volé un... J'ai fait me faire tuer bêtement quand même. Oui, t'as oublié qu'il y avait le marchand. Ouah, je rends enfin les 10 000. GG. GG. C'est une grande réussite pour moi. GG. Je suis pas dernier. Oh putain. J'avoue, je suis derrière toi, c'est chaud. C'était dangereux ce que j'ai tenté là. Je sais pas mais pourquoi, mais pour le pibi je le sentais pas. Allez, je passe par le mothership, mais j'aurais pas le temps de rendre autre chose. Ah bah c'est foutu. Oh non, il a réussi à passer par là, le vilain. Ah le vil. Ah un glode, c'est rigolo. Ah putain, je suis mort. Bon, c'est pas très grave, je peux largement encore pibi. What? Ok. Ah. C'est marrant ça. J'avoue. Mais putain. Oh, ce village qui m'a bien saoulé. Mais c'est bon, rendu le shotgun. Agression de la grenouille. Les agressions. Les explosions. Du coup j'ai plus de son. Les 16 araignées, les là, trop de choses. C'est vrai que j'ai tendance à pas utiliser la cape moi, j'y pense pas. Ah, pourtant c'est très... Ouh. Ah. Tout va bien. La cape c'est comme avoir... un jetpack, mais ouais, sauf que tu voles pas avec. Ouais, oh, ce rattrapage de l'extrême, quoi! Putain, je vois que j'avais un parachute. Mais tu casses-toi! Ah, c'était beau. C'est vrai que la cape. Disons. Ah, je suis mort bête, mais. Caverne de glace, qu'est-ce que c'est bon, quoi! Attends, et rajoute la boussole, s'il te plaît. Et là, c'est le bonheur. À la place de la cape, hein. Pourquoi il tire pas le. What the fuck? Le mammouth qui tirait pas, ok. Putain, mais c'est ouf ça comme layout, c'est dégueulasse quoi, c'est infernal. Ah oh, putain, village, c'est qui les abeilles quoi? Laisse tomber. Putain. Faut bomber. Bomber où, cordé? Oups. Merde. Ok, je suis vivant. Non, je suis vivant. Non, mais. Vent. Mais descends monsieur, descends. Non, non, on est 4. J'ai tendance à mourir que au niveau 4 à chaque fois de chaque zone, c'est plutôt ouais. C'est oui. Normal. Hein. C'est classique. Ouais, j'ai perdu plein de temps aux cordes, hein, et je les ai toujours pas rendus.
Putain, cassez-vous, mais cassez-vous, bande d'araignée, Une clé par là. Non, non, non. Non, mais faut arrêter de se foutre de ma gueule, ça fait deux fois qu'il y a une soucoupe volante qui me tombe dessus. Trois fois. T'es tombé dans un niveau Michael Bay, c'est ça? C'est ça. Ah, les fameux niveaux Michael Bay, c'est les meilleurs. Putain, le fusil, j'ai manqué de réalisme, oh là là. Oh là là. Ah non, je l'ai pas rendu, j'ai terminé, putain. Ah oui, c'est beau. Je suis tombé sur une ice cave où tout est fermé en fait, je peux pas passer sans bomber. What? Ah, c'est moche. Hein. Pourquoi pas. Sniff. Mais faut pas pleurer. Oh, ok. Non, ça va, celui-là, le dernier, allez encore. Des fois, c'est vrai que ça. Voilà, no comment. Ok, allez-y, balancez votre stock de monstres. Merci. Oh, c'était vraiment bien joué ça. Hop. C'est parti. J'aime bien faire 3 minutes aux 3 cordes. C'est possible ce que je viens de faire, putain. Putain, mais c'est pas vrai. Là. Non. Mais pas ça. Un village tiki, c'est un biome vraiment immonde. Non, quoi. Non, non. En plus, t'as un village qui est de l'enfer, quoi. Il fait 3,5 km, quoi. C'est sûr, tu acceptes. Oui, les trois cordes, enfin, ouais, bordel. Ah, un boomerang, c'est nul. Oh, pas mal. Oh non. Non, non, non. Mais non. Oh merde. Ouais, t'as pas le choix, faut utiliser une corde. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu me veux depuis deux jours, Spelunky? Ah mince, ah ton âme. Ah ouais, non mais attends, c'était quand? C'était non, c'était avant-hier. Ok, hein. Ça c'était rigolo. C'est ça. C'est genre, je rends la clé à 40 minutes. Putain. Et j'ai passé 40 minutes entières dans le temple. J'ai fait ma run à 1h24. Ouais. Ah non. Tu l'as bien vécu. Écoute, niveau injustice, je pense que j'ai jamais vu pire pour l'instant. Quand le temple veut pas, il veut pas. Hein. Ouais, ouais, bah non, on l'a bien vu hier. Un mort sans repos. Oh, la clé est ici, ça c'est cool. Aïe aïe aïe. Tu veux des morts dans les pics. Oh la 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 la, l'enfer. La clé dégueulasse. Non, ça va, elle était sur la route la clé. Allez, passe, bordel. C'est déjà la clé? Oui. Ouais, mais je suis. Oh. J'ai voulu bomber une course à base pour que la bombe elle rebondit vers moi. Ah, c'est bête. Ça fait boum. Ça fait boum. les ennemis qui font boum, tu vas, c'est ça? Non, c'est la bombe à moi que j'ai jetée. Ah, d'accord, ça va alors. Et elle a fait boum sur toi. Sur moi. Au moment où je suis tombé, j'ai lâché la clé. Et au bah, c'est vrai. La clé, j'ai ramassé une petite grenouille. J'aurais pu reset, effectivement. Mais... je vais rechercher ma clé, sauf qu'il est plein. Allez, j'ai 6 minutes pour finir pour faire un PB. Ouais. Donc, mais moi aussi, Aidel, putain, je suis con, j'aurais dû faire ça. Mais non, de toute façon, je pouvais pas faire la bombe. Ah, si, quoi, si, en fait. Je suis con. Ouh, j'ai trouvé 12 bombes dans une caisse, ça c'est bien ça. Ah oui. What? Ça annonce une bonne clé en général. Par contre, le arrow trap qui me touche à 3 km. Le serpent qui me touche à 3 km, non, c'est moins bien. C'est un sniper. Sniper bien. Comme hier. Ha. Allez, j'ai 2 PV pour faire la jungle et la ice cave. Tranquille. Faire foutre. J'ai déjà fait les mines jusqu'à rendre la clé avec un seul cœur sans me faire toucher. Tu dois pas du tout être serein pendant tout le long. Non, ça allait. J'ai pas du tout serré les fesses. Putain, encore des abeilles. Bon, bah, j'ai fait un shotgun de merde. Tifa qui a failli mourir encore. J'en ai marre des grosses araignées, des grosses abeilles. T'es encore mort? Non, elle est juste en dessous de moi. Oui, non. N'oubliez pas, Tifa n'est jamais mort quand il crie comme ça. C'est un village tiki aussi loin. Bah, il crie pas là, il. Il fait non, non, non. Je suis encore. Ouh, calmez-vous. C'est quoi tous ces singes? Cassez-vous. J'ai au moins 8 singes sur des lianes au-dessus des pics. C'est quoi ça? C'est de la merde. Le saut de l'ange. Mais est-ce que seulement je vais rendre mon fusil sub 1 heure, quoi? Les vrais objectifs. Ah, une boussole. Oui, je dis oui. Oui, oui, oui.
Ah oui, 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 oui. 4 à la suite. What? Oh mon dieu, cette mort ridicule que je viens de faire, c'est... Au 2, au 4, au 3, 4 en plus, putain, j'en ai marre. Non mais les layouts de l'enfer. Allez. Alors, je prends les deux, bon, je prends les deux cordes. Ah bah oui, c'est comme si ça suffisait pas, faut mettre un niveau dans le nord. Ah non, mais putain, quoi. Non, putain. La mort de 4, quoi. Allez, vache. Ah. Oh, GG, ouh, le jetpack et la boussole, tu vas me donner tout ça, toi. Genre. Ah, mais quelle chance. Ça arrange pas pour deux. Mais... merde, ouais, la vache. Ah, pour mon liste niveau, c'est déjà un beau run, je suis content, même si j'ai foiré au shotgun. Oh, oui, d'accord. Mais. Les 21 bombes, ça devrait le faire. Par contre, j'ai plus que 2 points de vie. Madame, venez avec moi. Et si elle a pas envie? Quoi? Si elle a pas envie. Bah, elle a pas le choix. Ça s'appelle pas de la séquestration, ça? Chut. C'est pour son bien. S'il y a pas de témoin, il y a pas de séquestration. Oh la vache. Ok. Oh putain, j'ai fait une chasseur en même temps. Ah, elle est morte, on s'en retourne. Donc là, Cladall il joue aussi. Okay. Il a juste pas pu rejoindre la race SRL. Oh la vache, les pics. Mais je suis enfin la clé, quoi. Oh là là. Jetpack, boussole, clé, c'est parti. En avant les aventures. Arrêtez d'avoir de... C'est juste pas possible d'avoir le jetpack pour la clé, quoi. Moi je peux rentrer les deux cordes. C'est la première fois en 4 mois que je l'ai. Je vais pas me faire. Laisse-le profiter. Ouais, c'est ça. Laisse-le profiter, tiens. Laisse-le briller un peu. Tifa, c'est tout le temps. Tifa, c'est tout le temps, c'est à tous ses rognes. Oh tiens, un jetpack. Oot. On n'a pas tous sub 25, hein. On est pas tous égaux face à la chance. On est pas tous égaux face à la chance. Bah, mais il est la meilleure. Ouais, mais je sais pas pourquoi en fait. Parce que t'as trop grindé. On sait pas. J'ai pas grindé ce mec. J'ai lancé le jeu une fois, j'ai fait un pipi, je me suis dit ok. J'ai fait pendant 10 ans. Est-ce que j'ai oublié la clé ou c'est du grind? J'ai oublié la clé. Alors la grande question c'est est-ce que j'ai raté la clé? Vous êtes deux à me poser la question. J'entends des serpents. J'ai la clé. Non, je fais pas ça, je pourrais pas le livrer, c'est trop dangereux. Ah non, elle est ici. Mais où? Bon bah la clé maintenant. J'ai dit au 2-4 et... C'est... Allez, on se concentre un peu. Non mais la grenouille... Pourquoi tu mets du poulet dans le... Ah, la clé est là. Rigolo, on va pouvoir bomber. Donc je suis encore mort au 2-4, parce que la grenouille. Parce que la grenouille, c'est plutôt une bonne raison. Putain, mais quel baltringue va... C'est interdit, une conversion de GLF, ça. J'adore enchaîner deux actions complètement random. La première est magnifique, t'as jamais été aussi heureux de ta vie. Et juste après, tu fais la pire chose de ta vie. C'est un peu l'histoire de mes runs. C'est toute l'histoire de ma vie. Putain. Elle est où la clé? J'ai un jetpack, bordel. Donnez-moi la clé, j'ai un jetpack. Mais j'ai plus qu'un point de vie aussi. Ça doit être parce que je stream pas, peut-être. Oh merde, c'est pas de chance. Putain de clé quoi, elle est partie où? Enfin, je me pose la même question. Oh putain. Ok, y'a plus de clé. Y'a pas de clé dans ce niveau. Si, mais elle est dans un bloc où tu peux pas l'avoir. Ils ont pas de clé. Ah merde! C'est possible, ça serait marrant dans un bloc. Ah ouais, ça existe. Ah ouais, non? C'est pas vrai. Moi je croyais que deux blocs c'était suffisant. Deux blocs ça suffit, ça le fait. Moi j'ai déjà vu des fois où la clé était coincée dans deux pauvres blocs. Non, des fois elle est coincée. Ah, j'ai trouvé. Elle est vraiment dans un coin à chier, hein. Bah, à la base, attends. Ouah, ouais, là, putain, faut. Autant que j'en recommence. Ah, elle est là. Ouais. Putain, mais les grenouilles. Ah, oh, je recommence parce que j'ai grillé toutes mes munitions, je vais jamais passer. Oh, putain. Pas eu de chance sur le layout, tant pis, c'est pas grave, faut passer à autre chose en Spelunky.
Ah non, mais là, c'est même pas si je meurs, c'est même passer devant. La clé, non, ça mais... peut être punitif à tout moment. Ouais, bah c'est. Ah, bah j'en suis pas. Je me suis fait toucher. Oh, et puis dans le noir, super. Ah oui, mais merde, ah putain, j'avais pas vu que j'avais plus de vie, que j'avais un gant. Du coup, la clé, elle est partie toute droite. J'ai fait merde. Mais encore un village Siki au 2-4, mais le jeu. Pourquoi tant de haine au jeu? Pourquoi? Bon, Tifa, t'es fini dans une minute ou pas? Là, je suis au 4-3. Ah bon, ça va, alors tu finis dans 30 secondes. Ah, sauf si je meurs. Ce qui est logique. T'as gagné, sauf si t'as perdu. Exactement. Oh là là, mais histoire c'est... de toute une vie. Mais c'est pas vrai, la vilaine clé, elle est où? Je rends mes deux cordes avec 15 minutes de retard. Non. Ça va, t'es bien. C'est un grand moment, si. Oui, voilà, pipi pace. Au moins. Non, elle va pas être là-bas, sérieux, cette vilaine clé. Ah, ce serait horrible. Il y a le coffre en tout cas, donc t'as la clé pas loin. Non. Putain, et j'ai pas eu confiance, ça va être à la sortie, alors du coup j'ai fait tout le niveau, mais là... Je voulais pas le remonter. Okay. Ça c'était moi. Ça, c'est mais pas sérieux c'est, clé, c'était pas intelligent. Ah t'as un jetpack par contre. Ça, oui. Ouais, mais je ne trouve pas la clé. C'est derrière le marchand ou quelque chose comme ça. Oh, c'est pas de chance quoi. Lubis est déjà mort avant que j'arrive. Okay. Oh là là, elle est horriblement loin. Il y avait un marchand ici, non? Waouh, j'ai pas été le voir. Ah, il y a un autre marchand. Ah non. C'est pas ta momie. Pas ta momie? Ce que j'ai compris aussi. C'est un sus. Ouais. Oh putain, c'est quoi ce le youth à la cour? Oh mon dieu. Tu viens de donner la réponse, Mille. Il fonce mon sur. YOLO. Ok, j'ai réussi. Allez, les mines de glace. Bah, c'est un peu dangereux le marchand. Je maîtrise pas encore. Je maîtrise pas. Je vais vraiment me rajouter des difficultés. Je peux de toute façon battre mon PB quand même. Donc ça va. Ça va, il y a encore. Là, son jeu, son grand délire, c'était de mettre des blocs d'espèce partout. Non, 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 mais putain, ah. Mise. Je rends le shotgun à 30 minutes, ça va. C'est un marchand qui m'a tué au 2-2, quoi. Chargette, t'es devant moi, ça me déceptionne. Et en oh la je vache suis très pour... Ça, je c'est mauvais, ça, par contre. Cette situation. Ouais, je comprends que ça désespère. J'ai jeté la clé sur le coffre avec la serrure dorée. Ah, j'ai... Mais c'est pas ouverte, j'ai pu récupérer la clé. Ah, dommage. Non, bah arrête, t'aurais quoi, dommage. Pour trouver le marché noir. T'as pu faire une raison en fer. T'as pas besoin de détection pour trouver le marché noir. Allez, non, prochaine fois, run en fer. Tifa, on te regarde. C'est facile. Ouais, ça se passe bien. Putain, mais à chaque fois que je trouve, je vais acheter cette putain de boussole, j'ai jamais assez de fric qui se balade quoi. De la thune s'il vous plaît. Donnez-moi argent. Non, mais c'est pas possible. Et j'ai lancé une bombe à 3 km. 3 km du marchand, il s'est énervé quoi. C'est quoi ce bordel? Non, faudrait que je trouve une bombe moi pour faire la triple livraison, ça serait cool. Ah, les morts sont sans repos de 2, c'est plutôt bien. Putain. Moi, il me laisse tranquille. Ah, je peux pibi parce que là j'ai plein de bombes pour toi le mec, donc si je ramène la clé. Et faut que tu passes le temple aussi, n'oublie pas. Ouais, mais le temple formalité quand t'as plein de bombes. Ah, c'était pas une formalité hier. Ouais, mais j'ai progressé depuis. Hein. Oh, un jetpack et une boussole. Ah, qu'est-ce que je fais? Allez, je tentais le jetpack pour le YOLO de la fin quoi. YOLO. Oh la bâche. Allez. YOLO jetpack. Bonne nuit à ceux qui vont en tout cas. Moi je suis quand même. La colle, c'est vrai que c'est pas géant. Je sais pas pourquoi je l'ai prise. C'est pas. Ça peut aider contre le mec quand tu veux placer au bon endroit les bombes, mais. Ah moi, à ta place j'aurais jeté la. Mais je me suis tapé 3 niveaux d'affilée là de mort sans repos. Je vais faire des retouches. Encore? Ah bon bah voilà, c'est mort. Oui, je rends le fusil, bien sûr.
Allez, j'arrive à esquiver avec le jetpack et la clé. Oh mon dieu. Oh, il y avait le bandeau qui disait oh, y a, vous avez la chair de poule, je sais pas quoi, et ça cachait un rangé de pique. J'étais en plein dessus. Ce jeu t'adore, Mille. Oh, c'est magnifique, moi j'adore. Je crois que ça m'est arrivé aussi une fois. Fois hein. J'ai vraiment pleuré. Heureusement, c'était encore au mine. Hein. J'ai rendu la clé. 3-4, bim. Ah, GG. Oh, c'est passé. Le temple. T'as fait un meilleur temps que tout à l'heure, non, Tifa? Je sais plus, j'ai fait combien tout à l'heure? T'avais pas fait un 35 ou un 37? Quelque chose comme si, ça. Ouais. Ah, mais j'ai un garde d'escalade aussi, ouais, putain, c'est pété là. Entre 30 et 40. Ah, tu baisses, ça, Tifa? La vieillesse arrive? Bien sûr. Non! Bien. Mais non! La mort au 3-3, putain. Et je passe devant Cladall. T'arrives d'aller esquive. Sensei Cladall. Putain. Oh, il y a un Yeti qui a trollé un marchand et après il m'a trollé derrière quoi. Attends, CDV, t'as rendu la clé? Non, je la rends là. Non, attends, t'es au 3-1 avec la clé, t'excites pas. Un accident est si vite arrivé. Ouais, mais... J'ai double jetpack avec boussole dans le marchand là. Il te dit, allez, c'est ton run, Millet. Non, mais c'est bon, j'en ai pas. J'en ai deux fois. Allez, on ça se tente quand même. Et un shotgun dans une caisse. Mais sérieux là? Je suis au 3, j'attaque les 3 cordes. Impeccable. Bah. Bon, ça va, Chargate, je te rattrape. Je tente la livraison. Ouais, bah oui, bah les cavernes. Y'a que la jungle, quoi. Je m'en colise des cavernes, j'ai trouvé vachement simple. Bon, ça serait bien que je fasse pas nimp sur le temple, par contre, s'il vous plaît. Ok, je choupe la sortie. Oh putain! Okay, est-ce qu'il y a une boussole? Oh la putain! Oh là! Oh là! Oh là! Ah oula! Ah oula là! Ah ça n'augure pas du bon ça! Ah putain, oh, saleté! On les bumpers qui me balancent dans les boules invincibles. Mais merde, putain! On va attirer le monstre par ici. Les méchants bumpers. Ça va être relou là, moi je te conseillerais de choper la mine, de la jeter. Oh non! La clé qui s'est envolée. Ouh, elle a été récupérée ici la clé. Ah oui! La clé posée sur une mine qui a explosé quoi. Tu t'en sors bien. Ouh! Ah la vilaine clé. Moi je trouve ça illégal, sérieusement. Bon, les momies, on arrête. S'il vous plaît. J'en ai un peu plein le cul. C'était marrant la première fois, et puis maintenant on s'emmerde quoi. Sinon, le Yeti, tu me laisses passer. Comment tu veux qu'on fasse du MZM, bro? Oui, pourquoi pas. Ouais, si je meurs pas au bout de 3 minutes. Ça m'est arrivé en race hier soir. Je sais plus, c'était hier soir. Oh, pas l'hôtel de Cali, pas l'hôtel de Cali. Je sais plus, c'était pas avant-hier. C'est un tir, ouais. En tant que chômeur qui se respecte, je me souviens pas exactement de ce qui se passe quelques jours. C'est sérieux. Bah, c'était il y a longtemps. Le record est à 16h45. Bah, il fallait venir. Non. Ça rend la clé. Bon, bah, j'ai que deux cœurs. Par contre, toi, t'as les bombes là. Oh mon dieu. Oh, j'arrive pas le temps, la LED. Voilà. Explose l'arbre. Easy, ok. Tac. Ah! Mais qu'est-ce que mais mort de 4 avec mon jetpack. Parce qu'il y a un ninja encore qui arrive avec ninja. Je suis le ninja. Mais c'est vrai. Pas du tout, il était excité alors que j'étais même pas encore sur l'écran quoi. Je te crispe pas, tu risques de faire des erreurs, te crispe. Bon. J'aimerais bien arriver dans. Ah bah j'ai tué la meuf. Oh merde. Le mec soit énervé quoi. Ah elle peut descendre la momie, c'est vrai. Ouais, tu creusais le trou. Putain, vilaine momie. Le problème c'est que ouais, là t'es bloqué. T'as les bombes collantes, c'est vrai. Ah
j'attaque la clé, ça y est. Un gros morceau. Bah j'ai... Voilà, je suis mal barré maintenant. Ah oui, ça c'était beau ça. Et voilà, pas de chance. Allez, all mec, on essaie, ça va pas être un pipi. Elle est où la clé? C'est trop de temps. Merde, elle est passée où la clé? Elle est là-bas. Putain, elle est arrivée à la sortie la clé. Bon, j'attaque la clé, allez. Ah non, pas des momies, j'en ai marre, des putains de momies, elles sont horribles. Ah bah je suis ailleurs, je suis mal. Oh putain. Bon. Allez, j'arrive au escape avec 5 PV, 9 cordes. Cette fois, c'est la bonne. Non, mais deux momies dès le départ. Ah là là, et mais... un scorpion. Un petit plus 13 minutes. Génial. Je suis content. Ah, mais c'est vrai, j'ai la boussole maintenant au escape, ça va être un peu plus facile. Irving. Oh non, une quatrième momie. Mais je savais même pas qu'on pouvait en avoir plus de deux par niveau. Ah bah là, y'a pas de limite. Oui, hein. La limite, c'est le ciel, comme on dit. Ouais, mais putain, mais c'est horrible quoi! Dans un même tunnel. Un peu l'horreur. Une... Ah, mais non, une cinquième momie, putain, mais y'a que des momies partout! Oh, oh putain! Bah là, je suis mal barré là. Ah, oh, y'a le boss qui m'attend à la sortie, c'est vénère quoi. Comment je vais y arriver quoi? Le coffre, c'était bien! J'en ai marre! Oh, mais je fais n'importe quoi. Putain, mais tout se passait trop bien là, ce qu'ils sont. Eh bah ben voilà, la clé c'est enfin rendu quoi. C'est pas possible là. Un split de plus 16 minutes. Wouh! C'est le moment où on se rendait compte qu'on a oublié les trois cordes. Non, je déconne. C'est ça que les rouges des momies, on peut les fouetter. Des fois, j'oublie ce détail. Bon, bah voilà, j'ai fait un super début de run, je suis content. Oh putain. Et moi, j'ai pas peur là, j'y vais avec une bombe contre le mec. Quatre bombes. Ouais, mais je suis pas sûr de réagir aussi. Non, j'ai trouvé une caisse du coup. Et du coup, ça me fait quatre bombes maintenant. Ah merde, je me suis pas accroché à la corde. Et voilà, le temple, toujours. Quoi. Je panique, arrive au temple, putain, je comprends pas. Ouah. Putain, j'ai fait une chute libre jusqu'à la sortie, quoi. Merde, j'ai oublié de... le hat-trick, non. Mais je refais encore le X-trick, arrête. Ouais. C'est un peu dommage, là, j'ai bousillé ma run, j'avais fait un super début, quoi. Bah c'est de toute façon... Oh non, putain. Et voilà alors. Combo de l'infini. Les ennemis, ils t'éjectent beaucoup trop. De toute façon, c'est Spelunky, ça commence bien, ça finit mal. C'est un peu l'histoire de la vie. J'ai jamais vu des trucs bien mal commencer, bien finir, c'est plus rare. C'est vrai. C'est l'histoire de la vie, du coup. Recommencer et mal finir, ça c'est assez fréquent. Recommencer et mal finir? Non, mal commencer, mal finir. Ah oui, ça par contre, ouais, y'a pas de soucis. Ouais. Ça c'est la constante. Tu peux aussi recommencer et continuer à mal finir. Tu peux aussi fermer le jeu, c'est la seule façon de vraiment gagner. La libération. Oh non. Bon. Non mais c'est vrai, le temple c'est chaud avec toute cette lave et tout. Putain. Mais quoi? Il est... Mais c'est sérieux. Non mais... Non mais c'est... le pire c'est que... ça m'a... C'était Epic Queen là, c'était même pas un Epic Fail. Comment ça m'énervait pour les Epic Queens? Je veux plus essayer de comprendre moi. Je vais juste subir. Ouais, non mais c'est pas les RNG, moi c'est les hitbox que j'y arrive pas. Un truc de fou. Ouais, faut s'habituer. Ah mais merde, hein. Ouais. Putain. Putain, je suis nul en plus à All Mech. Genre les merveilleuses chauves-souris quoi. Ah les chauves-souris, c'est un des pires ennemis du jeu pour moi. C'est un des ennemis les plus balèzes. Non, non. Pour tout le monde je pense. Ah, j'ai encore 1 minute 10 pour aller battre All Mech, ouais. Mais non, 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 non. Ouah. Viens par là petite mamie. Nope, 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 nope. Oh, sérieux, elle a décidé de pas passer par là, bon bah. Non. Le pic, le pic. Merde. Ah.
Et merde, j'ai choisi le mauvais côté. Ah non, c'est bon. Allez, bon bah, pas de chance. Attention, j'arrive au 4-3. Ah bah, de toute façon, mon objectif c'est de battre Sensei Cladall. Pas de soucis. Je considérerais cette. Quasiment cette race gagnée quoi. Ah, t'as Olmec. Merde. Ouais, mais je suis très lent à Olmec, hein, profites-en. Moi je le tue, il me faut 8 bombes quoi donc. Mais bon, tu m'as montré une strat avec des cordes. Je vais appliquer tes conseils. Et je vais essayer de faire un truc. Non mais sérieux, non. T'as rien comme... y'a aucune caisse en haut. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, non. Une fois que tu veux bien le faire, t'as pas eu caisse. Ok, où se trouve madame? Bon bah maintenant, j'utilise ma dernière corde pour aller chercher trois caisses. Genre des bombes et pas de cordes. Et ouais, je sens trop le plan entre... Et ça, voilà, j'ai 12 bombes, 0 cordes, je suis heureux. Ça le fait toujours, j'en ai trop marre, quoi. Du coup, je vais aller tranquillement sur Olmec là, tranquille. Voilà. Ah, mais ceci dit, 11 bombes, je peux faire en fait un trou géant, peut-être. Tu peux faire un escalier qui te permettrait de remonter. L'araignée, oui, non, peut-être. Je dis non. C'est le nom. C'est non. Vous dites non, c'est le nom. Il y a une clé dans ce type. J'ai l'impression d'avoir fait tout le niveau, il n'y a pas la clé alors qu'il y a le coffre, mais je suis pas d'accord avec ça, moi, monsieur Spelunky, là. Monsieur Spelunky, calmez-vous. Oh putain, il a failli me buter, ce con. Et il a refailli me buter. Putain, mais je me fais peur, là, il faut que j'arrête un peu, là. Ah salaud! Ah salaud, c'est moche! Ah, c'était au coup d'un coup, on était tous les deux dans la salle d'Olmec et c'est moi qui ai gagné. 44-05. Bon, faut au moins que je termine. Eh, par contre, je suis pas d'accord, y'a vraiment pas de clé là, dans ce niveau. Non! Mais non, monsieur le bombe. Bah si, elle était là! Y'avait un monsieur qui était mort dessus et qui la cachait! Ah merde! Vous ne la trouverez jamais! Du coup, j'ai plus rien. Je peux pas aller la chercher. Oh, c'est moche. Et là, tu vas avoir du mal à remonter là. Ça, c'est con. Faudrait que tu sais que tu poses la bombe, que tu la prennes et que tu la jettes au bon moment en fait pour exploser le mur en haut. Là, t'as que ça comme solution. Ouais, la solution trop pourrie quoi! Ah putain, bah voilà. C'était la seule viable. Et qu'est-ce que je fais, s'il vous plaît? Oh, c'est court. Eh ben meurs, Millet, tu n'as plus de choix. Ouais, je crois. Ah, c'est dégueulasse, c'est vraiment infâme, quoi. Ah, le temple... Mais putain, mais arrête de faire ça, s'il te plaît. J'ai tellement venu venir, quoi. Ouais, bah ouais, je me suis dit, non, allez. Putain. Bon, bah voilà. Putain, c'est pas vrai, quoi. C'est une horrible de merde. Ah mais non, c'est... Mais Spelunky, c'est un jeu, putain, pourtant j'ai progressé, mais je vais toujours... Je vais encore finalement rendre la clé, quoi. Je vais pas être capable de... Ouais. Mais non, je suis désolé, c'est un peu la seule solution pour s'en sortir. T'as une caisse là. Ah bah ça je vais prendre hein. Ah bah ça faut pas hésiter quand tu vois une caisse dans le temple. Un peu le bonheur. Ah ça peut être des bombes qui vont te permettre de passer ces momies. C'était des cordes. Ça peut être des cordes qui vont t'aider à passer rien du tout aussi. Si aller chercher les caisses. Ouais, s'il y a des caisses. Aller chercher des caisses. Tu relmets quoi. Bah non, j'ai pas fait l'erreur du système d'un record, il y avait 3 caisses. Non, ah, c'est dégueulasse. Le petit bloc. Ah putain, mais les petits blocs, ils sont vénères, quoi. Ça t'enlève toute ta vie, quoi, et voilà. Oh, le jeu, ça y est, t'es gentil avec moi, maintenant que tu sais que tout espoir est perdu. Oui. Ah, du coup, je finis quand même 3ème de cette race. Ah, hein. Bonjour, monsieur le jeu. Putain, mais c'est pas vrai. Du coup, y a pas de... Bonjour, monsieur Millet. La clé.
La clé, bonjour la clé. Hein, la clé. Où es-tu la clé? Ah non, sans re... Ah, tu peux rebondir sur la tête de... Ouais, voilà. Ouais, je me suis un petit peu fait trop mal, quoi. Je vais même pas la trouver une seule fois, cette clé. Ça serait le comble. La tristesse. Alors, la momie, très bien placée. Ouais, tu peux passer à droite, comme ça. À la sortie, t'en bas à droite. Ouais, elles avancent, hein. Ah ouais, mais putain, vilaine momie, quoi. Allez hop. Les cavernes avec un PV. Ah, c'est moi, c'est fait tuer par les tiki. Attends, celle-là va peut-être. Ah! Essaye peut-être de la tirer vers les tiki. Fais gaffe au bloc. Elle va se faire tuer par le tiki. Voilà. Il faut vraiment qu'elle prenne deux coups, quoi. C'est... Un seul ne suffit pas. Ça, c'est résistant, c'est ça le prix. Ouais, mais c'est le problème, ça va être les bombes là. Je tombe à la sortie, putain. Oh putain. Ah, mais. Non, je peux stresser. 19 morts, c'est dégueulasse. De quoi? On a rien entendu, t'as pas fini? Mais bro, tu l'entends si, pas? Si, je refais un run. Ah, t'es chaud, non. Toi, tu refais des runs. Bah, je sens que je peux avoir quelque chose ce soir, du coup. Ça veut tenter des trucs, ça veut prouver des choses. Je suis dans une caisse, ça peut être sympa ça. Putain, j'étais au 3-2 quoi avec Clé, je tombe devant la sortie avec un PV quoi, bah, en direct. Ok, ah non, y a le bloc qui gêne. On comprend surtout rien. Obligé de, voilà. C'est le bloc qui a fait bouger, qui a bougé la. Oui. Oh! Je suis enfin au escape de nouveau. Ça se passe aussi. Non, je suis passé à travers ce machin. Je voulais rebondir dessus. Sauter. Non, j'ai sauté, mais en fait, il s'est fait étourdir. J'ai pas pu ressauter sur lui. Putain. Il a perdu cette base. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Une caisse là. J'ai eu trop peur là. Nana, mais elle caisse. Est où cette clé? Laissez-la moi. Ah, c'est vrai. D'habitude, vous la mettez sur le chemin et là. Je ferai un entraînement avec toi. Ah oh, putain, la pioche, c'est nul. Enfin, moi j'ai des chances pour ça avoir une forme de booster. Elle est sur mon chemin. Oh, quoi qu'on sait jamais, hein. Moi je la touche. Ah bah, ça évite d'utiliser des bombes. Ça fait 3 fois que je. Tu vois la sortie qui est juste en bas par exemple, là tu donnes un coup de pioche, c'est réglé. Ah merde. Ah merde, à chaque fois que j'ai la pioche, je sais pas pourquoi, je confonds, j'oublie que c'est avec une arme. La bombe, ouais. Je sais pas, j'arrête. Pour moi c'est creusé donc. J'appuie sur le bouton creusé, c'est-à-dire la bombe. C'est con, putain, j'arrive pas. Comment ça se passe? Bon bah voilà, donc je vais faire un coaching, un de ces quatre All Mech avec Vin Kaiser. Je suis obligé de tuer le marchand. Attends. Si je fais un tricks par le bas. Bah, elle est tombée tout en bas. Ah bah non, je peux pas. Je suis obligé de tuer le marchand pour pouvoir aller chercher. La flèche est déjà tombée. Y'a la flèche en bas. C'est quoi, c'est le loot de merde? Mais. C'est injuste. C'est Spelunky. C'est horrible, là, honnêtement. Je me tape le poil douillé déjà, là. Je suis content, hein. C'est quoi? Oh, c'est bon. La flèche a été tirée. J'ai rendu la clé. Yeah, oui. Bravo. Bravo. Oui. Allez, ça va être ainsi une heure sans doute. GG. Je suis content. Ça s'entend. Ah, j'aurais peut-être pu prendre des trucs. Ah, je sais pas s'il y avait quelque chose. Putain. Je vais faire Montpellier un extrait pour le mec. Ah bah, Vin Kaiser, ça vaut le coup. Oh là là. Bah oui, de toute façon, parce que tu, pour la grande, en tant que spectateur, tu vas faire une voiture, c'est ça? Flèche a déjà été tirée, ça c'est cool. Souris. Sur la droite, la flèche est déjà tirée en plus. Attends, fais gaffe, il y en a deux de Harrowtrap et je vois qu'une seule flèche. Ok, c'est bon. Ah, la momie est morte ici. Bon, bah tant mieux. Ouais. Allez, le mec. Deux bombes. Ah, tu peux pas creuser du coup. S'il en faut 5 pour faire un truc parfait. Ah non, donc là, c'est soit aller chercher avec les cordes en rond des caisses, soit tenter la fast strat avec les cordes. Ouais,
Je vais vraiment commencer par croire que le... Parce que sur Spelunky, tu sais, il a deux modes quand il se lance. Il y a le mode gentil et le mode méchant. Ouais, t'as le mode où t'as les connards de Bobby pile dans les mauvais points, là. Où tu peux pas passer. Ouais, c'est ça. Et le mode où il y a une caisse là-haut. Ou quand, quand t'as beau relancer 5 ou 6 fois les mines, t'as toujours pas trouvé la clé. C'est de garder quand même une corne. Ouais, ça c'est vrai. Oh, putain, et en plus, il foutit une bombe. Oh, mais non. Ah, merde. Oh, pas tout de suite. Bon, prie pour que ça soit 3 bombes sinon, en posant la bombe. Putain, mais mon doigt a été lourd, j'ai cliqué sur les deux boutons en même temps, je commence à être fatigué. Putain. Que je suis sur la clé. Mais moi j'ai que des cordes ou que des bombes à chaque fois. Putain, mais c'est toujours pareil, j'ai 7 cordes et 0 bombes. Allez, des bombes, des bombes, des bombes. Mais putain. Non, mais j'en ai marre, c'est écœurant. Je vais réveiller mon coloc tellement je braille quoi. Bon, je vais faire attention. Il y a encore une caisse là. Il y en a encore deux là. Oh putain, oh là, cadeau là. Ah, des bombes. Oui. 12 cordes, 3 bombes. Putain. Mais c'est une blague. C'est une blague. J'ai 17 cordes. J'ai eu 5 caisses avec des cordes. À la limite, le mec est faisable là. Avec 3 bombes, si on le fait creuser 2 fois. Je vais paradiner, je vais quand même mettre une corde pour descendre. Pour un par bloc, une corde par bloc. C'est dommage de mourir, sérieux. Mais je sais pas bien faire la technique avec le mec. Ouais. Attends, mais du coup. Ah non, ramène-le. Ramène-le tout à gauche. Parce que la bombe que t'as lancée tout à l'heure, t'as déjà commencé à creuser. Du coup, t'as 4 bombes du coup à utiliser. T'en as une qui a déjà été utilisée là-bas. Putain. Oh. Ok, le mec. Je peux doubler ses DV peut-être. Et je te fais dans une caisse, quoi. Non, tu vas pas déjà me doubler quoi. Non, je voulais dire là-bas tout à droite. Le mec, mais Ah bon ? Pas trop tard. Bon bah. Je les mets un peu. Moi du coup bah. Je les mets un peu au pif, moi j'ai l'impression les bombes. Bon bah voilà. Non ! Une guêpe ! Pas une guêpe ! Ok. Pas une guêpe. T'as vu pourquoi il me faut toujours des guêpes ? Ah sinon fast rat ouais, hein, vu que t'as de la place là. T'accroches pas la corde, t'as plus de chance de te faire tuer avec la... En t'accrochant à la corde. Ah putain, t'aurais dû te mettre dans le creux en bas en fait. Ah merde. Il a même dépassé. Oh non, je suis vraiment nul. Bon, j'ai été battu par Millet, ça va mais... Ouais. Oh, je suis écœuré. Je croyais pas. Non plus. Ouais, mais le mec, je l'ai pas bossé. Moi, pour moi, le speedrun. Ouais, j'ai fait 27 minutes de clé là. Moi, je rends la clé puis je suis content quoi. T'as fait 27 minutes de clé. Ah, j'ai fait 16 minutes, ça va. Mais je suis mort 50 fois la jungle. J'arrivais pas. Je vais encore pas finir, mais sérieusement, c'est pas... Non, mais va falloir faire comme hier soir, hein, entraînement sur le temple et Olmec. Mais le temple, ça va, j'ai l'impression que c'est Olmec là qui fait roncher le temple, j'ai progressé quand même. Non. Quand même. Merci. Mais de toute façon, faut traverser le temple pour arriver à Olmec. Tout le monde va me passer devant hein, si ça continue. Hein. Oh non. Téléfrag. Tu sais, le truc à tête de crocodile. Il s'est pris un dégât du tiki à gauche. Il s'est téléporté sur ta gueule hein, au même moment. Et ah, c'est même pas nous qui est... On n'est pas prioritaire. Putain, mais elles sont non. Clés, quoi, c'est, un truc de fou. C'est le déplacement qui est prioritaire. C'est pareil quand t'as un... Quand t'as un téléporteur, toi, tu vas téléporter, tu vas téléfraguer les ennemis. Du coup, tu vas te tuer aussi si tu sautes dans les murs. Bon pour aller on peut pas téléfrag au mag, j'imagine. Non, ce serait trop simple. Ce serait trop facile. Ce serait la Strat World Record. Ouais non mais on l'a fait un peu hier hein, mais le poussage de bombes mais il faudra le retravailler. Pas, j'avais fait un putain de départ mais un truc de ouf quoi, enfin pour moi quoi. Ouais, après tu gaspilles un peu les bombes aussi. Putain je suis trop con. Qu'est-ce qu'il fait complètement de baseball? De quoi? Il tire les trucs. Il lance loin. Il lance les objets tout droit. D'accord, ok. Il rentre tout droit. Essaye de faire gaffe du coup. Parce que je l'ai pris par accident oui, avec la clé. La première fois que j'atteins la jungle avec une clé c'est. Oh, c'est presque... Oh voilà. Les portes et les portes, décevant. Surtout aussi.
Mais c'est ouf, sérieux, je sais pas finir. Je comprends maintenant un petit peu la frustration de certains de faire une bonne run et de rester bloqué au temple et de faire c'est dégueulasse. Ah bah. C'est le coup classique. J'ai peut-être pas assez bonsoir. Oui. Bon. Ah, c'est pas ta soirée du coup, bro, finalement. Hein? C'est pas ta soirée pour Pibi? Oh, on verra. On verra. Ah mince, j'ai jeté la fille bêtement. La sortie est juste là. Et pour le moment, t'arrives au 4-3, t'as rien utilisé. Pas de vie, pas de bombe, pas de corde. Ouais, mais c'est parce que là, j'ai le temple, je l'ai bossé, ça se voit. Je suis vachement plus fort. Hein. Allez, c'était pas fait pour moi ce soir. Voilà, ça c'était bien, ça c'était moins bien, mais bon, t'avais pas trop le choix. Et voilà, c'est reparti. Putain. Les momies, quoi. Et les arrotras bien placés au-dessus de la tête des momies, quoi. Qui t'ont dit non, tu peux pas sauter. Ça c'est dégueulasse, que tu fais un move sympa, tu sautes sur une tête de momie, mais en plus. Tu sautes devant un tiki. Ouais, okay. Je comprends, c'est hyper frustrant de rater le sub 30 à cause de mec. Ah putain, merde. Parce que déjà, quoi, on pleure quand on ramène la clé, quoi. Oh, j'ai pas plus gaspillé que ça, j'arrive à Holmack, j'ai des ressources, Winkaiser. Faut s'entraîner à faire le fouet anti-arrow. Non, mais sérieux. Ça m'a pas permis de faire un 26 minutes, hein. De faire le coup de fouet comme ça sur les flèches. C'est clair, c'est. Ah oh, putain! Oh. Je crois qu'il y a une boulette qui est sortie qui t'a repoussé en même temps que t'allais tomber dans la lave. Putain. Ouais, voilà, il y a toujours une momie. Bah là, quoi. Du coup, tu sautes, voilà, comme ça. C'est vrai qu'avant, je connaissais pas ce move. Et ouais, ça paraît pas intuitif parce que tu te dis, bah, il y a le plafond, je peux rien faire, mais si, en fait, tu peux passer au-dessus de la tête de la momie. Putain. Bonjour, c'est la momie. Mais c'est l'abus de momie, quoi. De toute façon, sur de la retrable, hein. Ah, il s'est et c'était fait à gauche. Activer. Il s'est fait activer, en plus, c'était à gauche. C'est bientôt terminé, les gens. Oh là là, je m'aime pas. On devrait mettre. Ce serait à refaire, on mettrait un split arrivé à Olmec, c'est déjà pas mal. 5 points. Arrivé à Olmec, time, ouais. Qu'est-ce. Quoi? Oh non, putain. Bah non, mais là, je suis un peu fatigué, là. J'aurais fait une mauvaise session Doom et une mauvaise session Spelunky. Oh, putain, je me roule 3-3 parce que j'étais pas du bon côté de la map. Oh, j'ai tombé sur la tête de la momie. J'étais sur un 21 minutes, je suis dégoûté. 21 minutes ? Ouais, putain. Ouais, après, tu sais jamais ce qui va se passer après. C'est ça ouais, aussi. Ouais, mais. Ah là, là j'arrive à la clé à 16 minutes. Ah ben non, le temple a décidé de me mettre 40 minutes dans les dents. J'étais c'est jamais ça. Arrivé aussi vite au temple, quoi. Enfin, si j'étais arrivé au temple. Putain. Ah, c'est dingue. Ah, là, tu peux sauter sur la tête de la momie, hein, comme. Tu vois, il faut vraiment pas avoir de temps mort. Ah là, c'est parce fini. Parce que dès qu'elle commence à jeter les mouches, c'est fini. Mais c'est ouf, sérieux, quoi. Voilà, regardez les momies qui s'amusent à faire ping-pong avec le cadavre. Voilà, c'est même quand tu es tenté mort, le jeu continue à t'agresser. Et bah c'est quand même assez sidérant, enfin j'avais des bons débuts encore une fois, putain. Là c'était même, j'ai eu des splits. Aïe. Mes premiers splits pour moi étaient hallucinants. Je termine le premier split catastrophique, bon c'est le shotgun. Aux deux cordes, 10 minutes 54 aux deux cordes, c'est pas dégueu quoi. Bah déjà tu peux comparer du coup avec mes splits, pour voir ce que ça donne. À ce moment-là. Parce que moi, ouais, je perds beaucoup. 24. Je perds beaucoup de temps au shotgun et puis je récupère là, puis 3 cordes la clé, c'est. Tombe quoi. Je sais pas pourquoi je continue. Tu sens que demain tu feras le double de points. Ah non, mais moi je vais continuer à m'entraîner sur les jeux que je maîtrise. Je suis en réapprentissage donc je vais pas passer du temps sur des jeux que j'ai pas rebossé. Je vais vraiment m'entraîner, rebosser les fondamentaux pour arriver à avoir un petit corpus de jeu que je maîtrise, quoi. C'est vraiment là. Sans demain, la priorité, déjà, premier truc du stream, Gremlins 2 DuckTales, voir si ça s'est pas perdu. Ouais, c'est clair.
Ouais, mais c'est ça, Ferro, qui est assez énervant. C'est que généralement, tu commences un split comme ça qui est assez dur. T'arrives jusqu'au bout, tu meurs à la fin. C'est assez démoralisant aussi, quoi. Et il faut bosser bien les jeux du pentathlon. Hein. Vocalisez-vous hein, si vous voulez qualifier la grande finale. Ou... Mettez quand même bien l'accent sur les 5 de samedi. Barbe. La Charguette a pas eu de chance. Hein. C'est un peu plus compliqué. Brainstorm et Charguette ont abandonné. Ouais, j'ai eu une clé désastreuse qui voulait pas se trouver. Oh bah moi je comptais de progresser, mais c'est pas encore ça pour faire 150 points. Mais je continue de penser que plus il t'arrive de trucs dans Spelunky bien crade, et plus tu deviens plus fort. Tu vois. C'est un peu. C'est un vétéran. C'est qui nous tue par nos efforts. Alors voilà, on se rend compte très vite que j'ai un 26-23 en PB. Mon Sum of Best, du coup, c'est encore amélioré. Maintenant, je passe à 20-05 en Sum of Best. Ce jeu n'a aucun sens pour les Sum of Best. C'est le seul Sum of Best que tu te dis, je ne l'atteindrai jamais. Ouais. Ouais. Ouais, hein, bah, ouais, c'était compliqué, j'ai pas réussi. Hein. Vraiment dommage. Hein. Et pourquoi mais ce speedrun, c'est quoi quand c'est, tu vois, c'est current pace, tu vois, qui compare avec ouais, mais c'est les Global All Kit, t'as mis 6. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Parce que moi j'ai. Quand tu l'utilises pour switcher de scène. Ouais, mais moi je vais enlever, parce que c'est vrai que ça me perturbe, parce que du coup je me sers de raccourcis avec ça. Mm. Avec OBS déjà. Abigail, ce sera quand je rentre chez moi, donc jeudi soir à mon avis. Ou vendredi soir, ça dépend. Je serais peut-être fatigué jeudi. Ah là 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 là. Ouh! Trop fort. Bon, du coup, je vais aller rager sur Gremlins dedans, mon coin. Mais bah, bonne chance! Bonne rage! Bon rage! Bon Gremlins! Bon courage! Des bisous, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Moi je vais suivre, je vais aller me coucher, bonne nuit. Bonne nuit. Tout le monde va dormir là. Voilà. Bonne nuit. On est tous fatigués là. Ouais, et quelle heure en plus? Oula, 2h. Ouais, 2h. Il est raisonnable, c'est raisonnable comme heure, mais ouais. Moi je pense que je vais regarder un petit film tranquille, bon, un petit truc. Bon quoi. On verra. Ouais. Ah là là. Bon, on va mettre une petite BO sympa. Ouais. Ça fait quand même deux fois qu'à chaque fois je fais des trucs et je termine pas Spelunky, c'est quand même horrible quoi. Ouais, pourtant on dit souvent que la clé c'est ce qui joue le plus, mais derrière il y a quand même encore le temple et all mec. Hein. Ouais. Ah bah moi c'est vraiment. Je passe plus de temps dans le temple qu'à la clé. Et all mec, je suis trop nul quoi. Ouais, il y a un peu de déprime parce que Spelunky là. Les pibi sur Gremlins et Doctel sont loin. On se rappelle surtout du dernier truc de la journée, c'est l'échec à Spelunky. Un semi-échec quoi, un échec dans le temple quoi. Donc, bon, en tout cas, eh ben, bonne nuit, Millet, Tifa, Charguette, j'ai coupé, Mumble. Bonne nuit. Et on devrait se recroiser, mais bonne chance pour samedi. Enfin... Alors, on va mettre un petit truc pour se quitter. On va mettre ça. Pas mal. Ah, qu'est-ce que je suis sauvé, moi? Non, je l'ai mis dans... Oh. Oh, ok. Eh ben, donc... Donc, quoi ah. Donc, demain, tu penses... Quoi niveau programme de la journée, est-ce que tu penses que je vais me lever et être rayonnant sur les jeux ça? Bah déjà comme j'ai dit, confirmer DuckTales et Gremlins, ça bouge pas. Donc ce serait aux alentours des 8 minutes pour DuckTales, peut-être sub 8. Et pour Gremlins, bah faut que tu tournes autour de, on a dit 11-14 minutes dans cette plage là. Ouais. En fonction des erreurs qu'il peut y avoir, etc. Ça va du tout. Et effectivement, ouais, il y aura peut-être du Towerfall demain. De ce qu'on avait dit et on verra ce qui pourra rester à faire aussi. Mais ouais, je crois que ça, on a fait les principaux, donc Doom 2, Towerfall, DuckTales, Gremlins 2, je crois que c'était ce qu'on avait dit en priorité. Ouais. Mais c'est vrai que Doom 2, là, bon, j'ai le glide, je rentre le glide maintenant du 21, je suis content.
Il faut que je m'entraîne à le truc de la clé rouge au 2, je le faisais assez souvent avant, et puis maintenant, je sais pas, j'ai dû changer un truc, mais... je le fais pas bien, faut que je trouve un setup pour le prendre, parce que ça facilite le niveau. Puis que je rebosse quelques trucs, il y a des strats spécifiques que j'ai pas rebossé. Oh la vache. On commence aux aurores demain. Vous vous réveillerez avec le stream, je pense. Ouais, au moins. À mon avis, il sera peut-être déjà commencé, certain. Quand ouais. Vous vous lèverez. Ouais, donc demain, stream aux aurores. On a Kevin Winkaiser, Dean, Naruto Sepp Ferrure, Insane, Jmad et Abigail. LF, bonne nuit. Bonne nuit à tous. Nous, le repos. Ah, je suis claqué. Oh mon dieu. Oh, c'est cool, vous allez pouvoir entendre un morceau que j'adore là. Pour se reposer. Un film qui s'appelle Monsters, qui est très sympa. Ah, tu l'as vu ? Non, ça me dit rien du tout, Monsters. C'est un film avec des extraterrestres. C'est un film qui parle d'extraterrestres. De manière un peu originale, parce que c'est des entités avec lesquelles il est assez difficile d'interagir, et ils ont déjà conquis une partie de la planète. On sait pas trop comment ils fonctionnent, et il y a quelqu'un qui se retrouve dans une zone qui est déjà maintenant une zone sous contrôle extraterrestre, on va dire. Mmh. Et il doit la traverser. Et c'est plutôt sympa. Niveau film avec Alien, je pense que même extraterrestre, celui qui m'avait le plus marqué dernièrement, c'était District 9. Ouais, il y a un petit. Celui-là, il est déjà sorti pas mal de temps, mais c'était celui qui m'avait le plus marqué niveau. En tout cas, dans le film dans lequel j'étais le plus impliqué, vraiment, quand je l'ai regardé. J'étais là vraiment à fond dans le film. Ce qui arrive très rarement, donc c'est pour ça que je m'en souviens assez bien. Ouais. Allez hop. Bisous. Bisous à tous. Dans une minute, vous allez avoir une musique très sympa qui dure 2 minutes. Hein, en guise de fin. Molly Man qui arrive trop tard. Voilà. Désolé, Molly Man. Faut revenir demain. Mais il y a le stream des aurores. Dorian va venir nous embêter. Ah, il finit aussi, Dorian, là, à cette heure-là. Oh, on n'est pas à 2 minutes, alors si. Dorian va venir dire un coucou. À mon avis, il a dû peut-être finir le stream et dire « Ah, je vais aller les embêter, et on a dû finir en même temps, en fait. » Ah bon. Ça doit être ça. Peut-être un peu de musique, mais... Bon, bah du coup, on va la laisser. Je vais vous la laisser, puis on va laisser Dorian venir. Ouais. Il va faire son un au revoir ici, ou enfin, vous faire un coucou. Ah bon, on va pouvoir s'écouter le petit morceau là pendant 2 minutes. J'ai coupé les micros. Vous allez voir, il est très reposant. Non, non, il est là. Voilà. C'est vrai qu'on a été parfaitement synchro. Ouais. Ouais. Bah 2 heures en même temps, 2 heures c'est l'heure où on nous coupe internet. On coupe les vagues.
De toute façon, moi je coupe toujours jamais. Enfin, je coupe jamais trop tard parce que j'aime bien mettre un truc avant de me coucher. Moi, je supporte pas finir mon stream à une couche. C'est genre. Salut, c'est Bami. Salut. Ah bah il y a des gens qui demandaient, as-tu lâché la complétion des jeux de l'UD2? Il y a des gens qui étaient là, mais Dorian, on l'a pas vu. On avait promis de parler au micro, par contre, on va pas t'entendre. On avait promis de refaire du Spelunky et du Doom 2. C'est vrai qu'on l'a pas fait. Mais je pense pas faire toute la complétion de tous les jeux. Par exemple, je me vois pas faire Gremlins 2. Je me vois pas du tout faire Ninja Gaiden. Donc mais j'essaierai de faire au moins Doom 2 et Spelunky quand même. Pour moi, personnellement. Et Gremlins 2, franchement, maintenant, je viens, il y a moyen de faire des points assez facilement. Franchement, vraiment. Franchement, ça se fait bien. Franchement, je pense que ça se fait bien. Voilà. Bon, bah en tout cas, salut à tous. Salut à toutes.